Et nous avons choisi de faire ce qu'on appelle une cuisson réductrice, c'est-à-dire en coupant en fermant le four de façon hermétique, il a consommé tout l'oxygène qui était à l'intérieur. La cuisson s'est terminée dans une atmosphère pauvre en oxygène et donc a donné un aspect noir au pot. Quand il n'y a pas d'oxygène, ça fait tourner ça nous donne du noir. La terre cuite, la terre elle-même, soit elle est oxydée et elle est rouge, soit elle est réduite et elle est noire. C'est dans la composition de la terre. Voilà. Alors ça, c'était donc en décembre 2014. Nous avions utilisé le gros four pour essayer de faire du grès. Ça n'a pas marché, pas encore. Et il nous restait des questions au sujet des glaçures. Pour ces glaçures, nous n'avions pas besoin d'utiliser le gros four dragon qui consomme énormément de bois. Donc nous avons construit un petit four de type romain, méditerranéen, mais qui nous permettait de faire les expériences. Dans le pays, nous avons fait des expériences. Nous avons fait des expériences. Parce que nous avions dans des fours anciens. Nous avions remarqué parfois beaucoup de coquillages qui avaient été amenés. Et on s'est demandé si ces coquillages broyés ou cuits pouvaient faire de la glaçure, pouvaient faire du brillant. Ça, ce sont des coquillages. Et voilà, les résultats étaient moyens. Mais comment ça se fait que l'idée vous est venue d'amener des coquillages? Parce qu'on avait trouvé ces coquillages à côté des fours. À côté des fours anciens. À Bangkok. Des fours anciens. À Bangkok, oui. Encore anciens. Ah. Que nous stani ne lo boran ne kang bakaong lo. Bakaong ne tuan go na ne chet anyato apsara sap ngay ne. Ki khuyn than ne ma dom kalai lo na ve tai mien. Sabo. Voilà, bon, mais ça, on a essayé, ça n'a pas été très concluant. Maintenant, on pense que peut-être ces coquillages étaient là pour faire de la chaux. Voilà, alors le four a vieilli, il a attendu de 2014 à 2018.
et pardon. Et voilà, il s'est bien abîmé. Voilà une vue du four avant qu'il soit restauré en 2018. Non, pas sciemment détruit. Non, non, là, ça, c'est les... il est tombé petit à petit. Au fur et à mesure des années, il s'est affaissé, il est tombé. Et c'est fait quand ? Ça, c'est celui de 2014. C'est le four de 2014. En 2018, avant qu'on le répare. អរសំតោអារូបដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺលរដែលធ្វើនៅឆ្នាំ2019ហើយដល់វាចុះទៅទុកយូរទៅវាពុកពខោឆ្លាស់ដល់ដែលយើងឃើញលទ្ធផលនេះគឺថានៅឆ្នាំ2018វាអត់មានណាទៅវាយទៅអីវាទេណាវាខូចខាតតាមពេលតាមវេលាវាអានេះមុននឹងគេជួសជុលវាធ្វើការពិសោធន៍ថ្មី On a refait des cuissons dans le cadre d'un programme qu'on a appelé On Fire et qui était double. En 2018, on a refait une cuisson de céramique et au passage, et de la réduction de minerais de fer avec les laboratoires du CNRS de Saclay. Nous les avons fait en même temps. ធ្វើការពិសោធន์ឲ្យទៅមុខទៀតកិច្ចឈ្មោះកម្មវិធីនេះឈ្មោះថ្មីឈ្មោះជាអង់គ្លេស on fire ហើយទៅណែធ្វើពីអមួយពិសោធន៍ធាតុតទៅអំទៀតដូចពី2009 2010ប្រាំហើយវារឿងធាតុអមួយទៀតជារឿងថ្មីគឺការដេញរំលាយរ៉ែដែករ៉ែដែកវាជាថ្មណាលាយថ្មឲ្យចេញជាដោយ Alors, ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de céramique, mais puisqu'on est là, je vais quand même vous montrer une ou deux images. Le minerai de fer se fait dans ce qu'on appelle des bas fourneaux, c'est-à-dire à l'air libre. Il est mélangé avec du charbon. Il y a une ventilation forcée, c'est-à-dire on souffle avec des soufflets ou une soufflerie. Et on obtient des températures extrêmement élevées, de l'ordre de 1500 degrés. នេះជាប្រធានរបស់បន្តិចប៉ុន្តែដោយសារធ្វើក្នុងឱកាសជាមួយគ្នាហើយគាត់យកមកបង្ហាញគឺថាអានេះមិនមែនដូចលបិទចិត្តឈឹងទេអានេះអត់ទេគេហៅបាហ្វូងណូគេតែជាក្រានមួយដែលទៀបយ៉ាងយើងឃើញថាវាអត់មានអីបិទទេប៉ុន្តែត្រូវមានអាកន្លែងសប់ខ្យល់ណាបញ្ចូលរបៀបមិនរបៀបមិនទៅហើយកម្ដៅវាត្រូវក្តៅខ្លាំងណាស់ព្រោះដើម្បីឲ្យថ្មខ្លាយទៅជាលាយគេណា Voilà, et là nous avons reproduit de la même façon que nous avions reproduit les fours à céramique en coréen. Là nous avons reproduit les fourneaux utilisés par les couilles à côté de Phnom Daek à l'époque en coréenne aussi pour faire le fer en coréen. Donc après cette parenthèse sur le métal, revenons à la céramique. Et en 2018, donc la reconstruction du four, en essayant de rattraper certaines erreurs qu'on avait fait auparavant. Et on a refait une nouvelle série de vases tout à fait différents. Ici sont les dessins, les prototypes crus et des modèles.
Voilà, rassurez-vous, on a presque terminé. Donc le voilà, voilà à quoi ressemble le four que nous avons. En 2018, nous avons fait 3 cuissons. Si je me souviens bien, le 3, le 6 et le 10 décembre. 3 cuissons, dont voilà les paramètres. Nous avons mesuré les températures à chaque cuisson. Vous voyez, la première a duré 31 heures. La deuxième après, c'était entre 12 et 15 heures. Voilà, c'est à peu près ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les courbes de température sont presque identiques, du moins pour la montée en température, alors que nous avons essayé de charger le four de façon différente. យើងមើលតពណ៌នេះមើលលេងឃើញសំបីខ្ញុំនៅចិត្តនឹងខ្ញុំមើលលេងឃើញនេះប៉ុន្តែរយៈនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាកណាយើងធ្វើរយៈពេលខុសគ្នាមិនខ្មិចវាយ៉ាងម៉េចប៉ុនយើងឃើញថាទៅយើងមើលអាគួបនោះយើងមើលអាក្រាហ្វិកនោះណែអានឹងស្អីតោះហាក់ធៀបណាឃើញថាវាធ្វើពេលខុសគ្នាមែនពេលខ្លីតិចជាងនេះប៉ុនវាឡើងប្រហែលប្រហែលគ្នាហ្នឹង Voilà, et cette année 2018, nous avons cuit 150 vases et brûlé 5 mètres cubes, c'est-à-dire 15 kips de bois. Et en cette année 2018, en attendant, cette année-là, donc, on est arrivé, on a largement flirté avec les 1100 degrés. À la fin, excusez-moi, juste une parenthèse, c'est facile d'arriver de 0 à 1000 degrés, de 0 à 900 degrés, c'est facile. Après, quand on arrive à l'âge beaucoup plus chaud, à la fois c'est très difficile de gagner 10, 20, 50 degrés et les résultats peuvent être très différents selon qu'on a 50 degrés en plus, 50 degrés en moins. Puis on sait ton non, pas អាចទៅពិបាកអាពីឡើងទៅពី100ទៅជួនកាលវាឡើងបានតែ5បានដល់បាន20អីចឹងទៅវាពិបាកណាក្នុងអាការដែលវាឡើងហ្នឹងអមមកទៅវាឡើងដល់អង្សាហើយនឹងវាឡើង20អង្សាអារបស់ដែលបានហ្នឹងវាខុសគ្នាពណ៌វាខុសគ្នាណាអាណាវាមិញអាណាវាមិញទៅណាគឺថាដែលពិបាកទី1វាពិបាកធ្វើឲ្យវាឡើងផុតអាមកពាន់ហ្នឹងហើយវាមានសារៈសំខាន់ថា Donc on peut remarquer que avec disons en moyenne 150 degrés de plus que la fois précédente, on obtient des résultats totalement différents. C'est-à-dire que si évidemment on n'a pas encore la glaçure, on a des vrais grès, de la vraie stoneware, parfois un petit peu cassé, mais c'est pas très grave, ça nous montre ça a vraiment très cuit, ça c'est des choses qui ont vraiment très cuites, et toutes ces céramiques ont vraiment cuit
voilà, ont vraiment cuit à une. Ont eu, eu un changement chimique dans la composition de la terre. Les fissures, c'est dû à quoi? Les fissures, c'est dû. Il y en a toujours qui sont cassées, c'est dû à des températures qui montent trop vite ou le vase est un peu épais. Mais ça arrive. Là, vous n'atteignez pas encore votre but, c'est ça? Le but ultime, c'est d'avoir une glaçure naturelle. C'est-à-dire que la cendre du feu, en se déposant sur les vases, là vous voyez, c'est couvert de cendres. Eh bien, si au lieu de 1100, on était arrivé à 1200, entre 1200 et 1300, eh bien, cette cendre ici aurait fondu et aurait fait cette glaçure, cette pâte verte qu'on trouve sur les vases. Le premier objectif a été atteint, le grès, et la glaçure pas encore. បាត់ពិសោធន៍នឹងគឺទៅដល់អាកម្បានទៅដល់អាដែងថាវាខ្លាយទៅជាថ្មហើយណារឹងដូចថ្មហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានអាស្ទប់អាលោងដែរអាលោងនោះនៅមិនទាន់បានទៅដល់ទេហ្នឹងទាន់បានទៅដល់អីហ្វូកសស្វាប់ឮឡាប់តុងពីរទៀតស្វាប់ឮយើងក៏ថាដើម្បីទៅដល់ហ្នឹងទាល់តែកម្ដៅនឹងវាខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតឥឡូវធ្វើមិនទាន់បានទៅដល់ហ្នឹង. Voilà, donc cette année, en 2019, nous avons essayé d'obtenir ces températures. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai montré une photo du four plus long, plus chaud, plus solide, plus beau, plus grand. C'était cette année. Et cette année, donc, le four a été complètement reconstruit, il a été plus long, il était plus large pour avoir plus de chaleur. Et on a préparé 315 vases à cuire. អានិកគឺថ្មីថ្មីនេះឯងខែធ្នូឆ្នាំ2019ហ្នឹងណាថ្មីឯងយ៉ាងមួយណាហ្នឹងហើយបើហៅមកខែមុនហ្នឹងឯងគឺយើងចង់ដឹងតទៅមុខទៀតធ្វើម៉េចឲ្យកម្ដៅហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែខ្ពស់តទៅទៀតណាសីតនហភាពនៅខ្លាំងអាការប្រយើងដុតបានភាជន៍ហ្នឹងចំនួន315ដុតពីរដង Les perches ici, c'est nouveau. On n'avait pas fait ça avant, c'était pour avoir de la chaleur plus forte, plus rapide. En quoi c'est différent? C'est comme des allumettes. Oui. C'est fin, ça brûle plus vite. Ah, de ça, Donc voilà quelques photos du chargement de ce four. Des gens étaient rentrés à l'intérieur pour charger comme ça se faisait avant. Et nous avons fait une première cuisson. On voit les chargements par les perches et uniquement par les petits trous et pas par une grande porte au-dessus comme avant. Voilà. Et donc là on est arrivé à là on a fait 1100-1150 degrés. Voilà, donc voilà les courbes de cuisson.
On peut remarquer, et ça je vous, on en parlera tout à l'heure, vous le verrez très vite, qu'il y a un moment, ce n'est pas régulier. Ça monte régulièrement et puis à un moment ça s'arrête de monter parce qu'on n'a pas fait attention. Après on essaie de se rattraper, c'est monté très vite. Voilà. Or, il est important que ça soit régulier. Voilà. Et quand on fait des bêtises, eh bien, les fours se sont toujours un peu fendillés. Un peu de chret. Mais celui-là, ça c'était deux jours après, une fois qu'il a refroidi, celui-là a très très fort. Et tellement fort que là, cette plaque qui était à l'avant s'est détachée et tombée, alors qu'on n'avait pas encore vidé le four et qu'il s'est écroulé. Les objets étaient foutus? Non, c'était du stoneware, c'était du solide à l'intérieur. Mais c'est plus solide dedans que dehors. Oui, mais ça, c'est après la cuisson. C'est après la cuisson. On a arrêté la cuisson vers minuit. On attend toute la journée du lendemain que ça refroidisse. Il faut que ça refroidisse doucement. Et le jour d'après, on est venu pour vider le four. Et on a remarqué qu'il y avait des grosses fissures, bien plus grosses que d'habitude. Ça nous a fait peur et en fait, quand on a commencé à tourner autour on a commencé à ouvrir la porte ici. Là, il y a une porte qu'on a ouverte. On a commencé à le toucher et paf. Plusieurs raisons, mais dont la principale est justement cette cuisson qui n'a pas été régulière. Voilà, alors voici un exemple de degrés cuit à plus de 1100 degrés. Ceux-là ont vraiment grésé très fort et il y a eu des commencements de glaçures naturelles sur certains des vases. Ah, là il y a une glaçure, oui. Là il y a une glaçure. Et dans beaucoup d'autres, ça a commencé à se déposer là. Par exemple, nous n'avons pas pu aller comme d'habitude là, comme pour dire trois mois. Donc, nous avons besoin de 7 dollars à Colmonon, de 100 dollars. Nous avons dollars maintenant. Nous avons besoin de 4 millions à glacier, non, à ce type de long. Nous avons besoin de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois. Nous avons besoin de glacier, non. On a presque fini. Alors, ça c'est arrivé, on devait faire deux cuissons et une fête. C'est-à-dire la première cuisson, le 4 décembre, je crois, on sortait les pots. Et là, pour la deuxième cuisson, on avait invité des gens, on faisait une fête avec des gens du